Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de Tomb Raider. Alors, j'ai eu un petit problème, on va dire, de micro. En fait, j'ai enregistré cet épisode et sans vérifier que mon micro fonctionnait. Et en fait, du coup, il ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai tourné une session de 4 heures de jeu avec un micro qui ne fonctionnait pas. Donc, je suis là en train de commenter en différé. Voilà. Ça va peut-être poser problème, je ne sais pas. Et sur ce, on va là, du coup, on va continuer. Voilà, on reprend, allez, hop, directement dans un petit trou. Donc là, on arrive dans le bidonville. Non. Non, non, non. Non. Si, si, c'est un bidonville, ça. Là, on va aller récupérer. On va aller. Ah, y'a un mouchard qui me encore me casse les. Comme à son habitude. Donc là, on va aller voir l'hélicoptère. Là, parce que là, on est blessé. Je sais plus ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Je crois qu'on s'est fait blesser. De toute façon, dans ce jeu, Lara Croft, elle s'est blessée tout le temps, donc on stop. En plus, je commente en différé, mais alors, ça fait très très longtemps, parce que moi, le jeu, vous voyez, je l'ai terminé il y a très longtemps. Donc, du coup, pas très longtemps. Il y a assez longtemps quand même. Du coup, je me sens plus du tout ce que j'ai fait dans cet épisode. C'est presque une redécouverte. Une redécouverte, presque. On peut voir mes skills en tir, qui sont vraiment pas terribles en vrai. Et je vous assure, ça n'a pas changé. Même là où j'en suis. Lara, elle a vraiment, vraiment pas de chance, hein. Elle tourne dans les pièges tout le temps. Ah, une troisième pièce d'un fusil. Donc là, il faut avoir un nouveau fusil, enfin un nouveau design de fusil. Ah!
Et il essaie de me tuer, et après il me dit pitié. Ça va être. Enfin, il est un peu con quand même. Enfin, il me tient dessus, et après il me dit pitié. Frérot. Quand même. Quand même, j'ai 615 écrous là, j'ai bien de pouvoir améliorer mes équipements au prochain feu de camp. Normalement. On nous la cale. Eh oui, ça sent les flèches de feu. Tu m'entends? Ross? Lara, tu vas bien? Je vais bien. J'ai pas l'impression que j'ai. Je vais bien, Ross. Où es-tu, Lara? Je suis dans une espèce de bidonville, près du palais fortifié. Je suis toujours sur la colline. Comment tu as fait pour descendre aussi vite? Oh, c'est une longue histoire. Oui, je vois le bidonville d'ici. Tu es près du grand portail? Je me dirige vers lui. C'est la fille! Oh, merde! Là! Tirez, tirez! C'est reparti pour une petite. Là, lui, il rame un petit peu là. Là, il y a un petit ralenti là. Bah, ça va, j'arrive quand même à m'en sortir. C'est efficace quand même les tirs de tir de feu. Les flèches de feu. Faut quand même juste bien viser hein, pour que ça marche finalement. Ça fonctionne bien. Oh sérieux, j'aurais pu le toucher là. C'est moi, je suis en train de prendre bien cher.
Oula, j'ai pris cher. Oh non, hé. Et bim. Bon, on se retrouve un peu plus tard là. Là, je commence à bien me sentir. Enfin, j'espère. Hop, le fusil d'assaut. Je vais pouvoir me prendre un point de compétence. Voilà, et je vais pouvoir aussi améliorer mon équipement, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc ça, hop, le fusil. Hop, chargeur double. Voilà. C'est parfait. Ah, j'ai mis un X quelque part. Voilà. Un petit géocache. T'as 1 sur 15. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup que j'ai loupé quand même. J'ai où moi? Elle a un sacré recul comme Lara Croft, ça. Et encore d'autres, allez! Oh! Pas possible ça! Hein.
Bon, ça va. C'est pas très complexe. Canal 2, ça va. Canal Plus, ça va plus. Je tente des trucs. Ça fonctionne. Donc c'est tant mieux. Ah, le man de ce bidonville là. Déjà. Une pièce suffisante à pompe. Cool. Non, bah je peux pas monter. Excusez-moi si tu bailles, mais je suis très fatigué. De toute façon, je pense que vous en doutez que, enfin, vous doutez que je suis une personne très très fatiguée de manière générale, hein. Puisque ma personnage emblématique de Animice, que je vais filmer pour mes mille et une références, à des scènes plein les yeux, donc vous vous doutez que, et comme le personnage que je montre pour mes mille et une références, c'est la fusion de ma Animice, de mon roman et de moi-même. Ce qui fait que, bah, en fait, ça donne une personnage avec, enfin, en fait, en gros, ça donne Money Mice avec des cernes. Ah bah, c'est moi, en fait. C'est cette partie-là qui est de moi. Une personne qui est éternellement fatiguée. Et qui, pourtant, dort souvent, très bien. Donc, j'ai pas de difficulté à ce niveau-là. Hein. Heureusement que dans ce jeu, respirer ça soigne, non ? Parce que sinon, putain. J'galérerais encore plus. Il y a que je garde pas mal déjà, alors que. Imaginez si on me mange le dé à chaque fois, ça serait impossible. Ça, c'est la merde là. C'est la merde. Ouh, il a volé lui. C'est bon, on est bon là. Ah. Putain, c'est la merde. Ah, c'était beaucoup trop la merde.
Ouais, du coup, en fait, là, je suis en train de me rendre compte que, en fait, dans la version visée, les axes de caméra sont normales. Et moi, il faut les inverser, moi. Donc là, à partir du moment où ça va être inversé, je vais moins galérer à tirer. Je vais toujours un peu galérer, mais beaucoup moins. Parce qu'en fait, quand je tire pas, la caméra était inversée. Mais quand j'étais en mode visée, la caméra était normale. Du coup, à chaque fois, je devais me dire, faut aller dans quel sens, faut tourner la caméra vu que je suis en visée ou quand je suis en mode normal. Enfin, c'est trop la merde. Donc là, on est caméra inversée partout, donc c'est plus. Enfin, c'est. Ça me permet de mieux réussir. Bon, je dois quand même dépenser masse de balles. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis presque perdu. Où est-ce qu'il faut que j'aille moi? C'est un peu la galère, hein. Heureusement qu'il y a le réveillon là. Alors, je rassure, je l'ai vu là, le truc de la fusée à pompe, hein. Mais là dans le jeu, je l'ai pas vu. Voilà. Moi, en tant que personne qui commente en différé, je l'ai vu là. Mais en tant que joueur, j'ai pas encore vu, apparemment. Non, toujours pas. J'ai toujours pas vu. Il y en a un en dessous, mais j'ai toujours pas vu. Et je sais même pas si je vais le voir finalement. C'est bien le bouton X il apparaît pas donc trop bizarre. Encore. Ce flingue, c'est bien, il tire en rafale, donc c'est plutôt bien en fait. Arrêtez de me tirer dessus, voyez bien que je suis en difficulté là. Encore un sacrifice.
Oh mon dieu. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Ça monte quand même rapidement, hein, quand même les écoulants, quand même dans ce jeu. Ah, je suis déjà à 700 et une pièce de fusil. Manqué. Mais quand t'as pu le louper, t'es à peine à 1 mètre de toi. Pour ceux qui ont référence, c'est Mushu dans Mulan. Là, il y a une énigme. C'est bloqué. Donc là, je sais pas trop ce que je fais. À mon avis, je vais chercher une solution, mais... Ah oui, ok. Fait que je boule la voile qui est bloquée l'entrée. Donc là, maintenant, ça devrait être bon. Donc là j'aimerais mon fusil à pompe. Aucune idée, Lara. Aucune idée. Enfin, si, je pense savoir, mais au moment où je tournais la vidéo, je ne savais pas. Enfin, je l'ai su, mais je m'en souvenais plus. Tempêtes m'ont apporté exactement les hommes qu'il me fallait pour bâtir la confrérie des Solari. Des hommes forts, mais dociles. Ils ont été brisés par les tempêtes. Ils sont affaiblis et vulnérables. Et je leur ai tendu la main. À présent, ils me servent et à travers moi, ils servent la reine solaire. Elle me montre la voie.
Elle m'a toujours montré la voie. Je ne peux pas nier ce que j'ai vu. Et bientôt, ils verront. Elle est partout sur cette île. Mais la confrérie des Solari doit s'agrandir. Nous recruterons autant d'hommes que possible. J'instaurerai des lois. Et ils travailleront pour la Reine Solaire pendant que je chercherai la clé. Bon, très bien. Poursuivons notre route. Va-t-on sortir d'ici. Voilà, je vais pas te récupérer ça. Quand même, hein. Je suis fou. Hein. J'ai pu totalement suivre l'histoire. Hein. Tranquille oubidou. Mais non, 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 il a fallu que. Oh mon Dieu, il a sauvé. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Allez, allez, je ferais finir juste de prendre les loots. Ça va chier. J'ai pris un tout petit peu cher. T'as peut-être buté lui en premier.
Putain, c'est la merde là, y'a trop de monde. Ce jeu il met trop de monde comme méchant, enfin comme ça. Trop de monde. Trop de gens. J'avais cru voir hein. Si on peut dire. Où sont les autres? Ils sont enfermés à l'intérieur. Mais chez où? Monte ici et on ira les chercher ensemble. Je ne peux pas grimper d'ici. Ah, bordel. Attends, ils utilisent une espèce de système pour hisser les objets. Tu peux peut-être t'en servir toi aussi pour passer de l'autre côté. D'accord. Ouais. Je vais essayer. C'est calme. Je préfère quand c'est quand même un peu plus trop moins calme. Moi quand je suis dans quand je joue un jeu ou quand je joue dans un jeu où moi je participe pas, je m'endors à une de ces vitesses. Là actuellement je suis quasiment sur sommeil là. Ah mince, vous m'avez entendu. Bon voilà, j'ai pris un peu cher encore. J'en suis sorti quand même, hein. Piqué, mais je me suis ressorti. Thank you.
les écoute pas, Lara! Ok! Ok! Tu me fais pas peur! J'ai grandi à Glasgow, moi! Allez, liquidez-moi tout ça! Bon, un autre de nos alliés est foutu. Enfin, est mort, quoi. Oh non. Rim. Ils paieront pour ça. Le palais. Je dois rejoindre le palais. Bon, bah, si je pouvais mettre un peu du réveillon pour qu'on voie où on en est là, parce que. Pas sûr, moi. Ah, enfin. Alors, il le met où Il le met où? Voilà. Ok. Oula. Je l'ai. Merde. Je te couvre, Lara. Tu peux grimper maintenant. Merci. Merci. Tu crois que tu pourras me couvrir? Oui. J'ai une vue dégagée sur tout le pont jusqu'au mur du palais. Ok. Ici hélicoptère de sauvetage November 888 Romeo Charlie répondant au SOS émis par l'avion cargo Trinity. Ici Conrad Ross de l'Endurance. Vous me recevez? Lara, t'as entendu ça? Un hélicoptère de sauvetage est en route. C'est génial, Ross. Envoie un signal. Je vais chercher Sam et les autres. Mais Lara, je devrais peut-être. Ce n'est pas comme pour le pilote, Ross. Sam et les autres sont là par ma faute. Je vais les chercher. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, épisode différé, on va dire, on va les appeler comme ça, dans le sens où l'audio est en différé. Et j'ai fait une saison 4, je rappelle. Hein. Donc là on a fait quasiment une heure. Enfin, on a fait 46 minutes.
Mais comme il y a eu pas mal de il y a eu des cuts, je me dis qu'on peut-être qu'on peut s'approcher de 1 heure à peu près, j'espère en tout cas. Du coup, il nous restera plus que 3 heures de 3 heures de let's play de ce type-là, en tout cas. C'est-à-dire avec l'audio en décalé, quoi. Du coup, je vous remercie de regarder et on se dit à plus tout le monde et à la prochaine!